Je voulais juste remercier les archives, leur directeur Guillaume Naon, Dominique et le comité d'histoire de m'avoir invité. Excusez ma collègue Bérangère de Lépine en charge des fonds photographiques et du fonds François à la BHVP. Ben, elle est malade, elle n'a pas pu venir, mais elle viendra une autre fois. Et puis ben, je vais essayer de vous divertir parce que c'est vrai que c'est un petit peu au pied levé. Donc je vais vous présenter les collections photographiques de l'agence Roger Viollet. Je vais reprendre mon souffle aussi, vous inquiétez pas. Alors, je vous montre le site historique. Vous allez voir, je vous fais faire une promenade dans ces collections qui sont riches quand même de 8 millions de photographies. Donc, on n'aura pas fini ce soir. Et pour vous montrer aussi qu'être photographe à Paris, c'est pas forcément ne photographier que Paris, c'est faire œuvre d'activité, œuvre ici aussi de commerce. Et comme le disait Dominique Juignet, nous avons été intégrés à la ville de Paris en 2018, mais les collections Roger Viollet ont été léguées à la ville de Paris en 1985. Donc, c'est parti. Vous poussez des cris si jamais vous voulez m'interrompre, même pendant. Je vous présente donc Hélène Roger, dite Roger Viollet, et Jean Fischer, son époux. Donc, Hélène et Jean se sont rencontrés dans les années 30. Hélène a fait des études de ce qu'on appelait à l'époque le journalisme, qui était débutant à l'école sociale, et elle a pratiqué des métiers assez tard. C'est-à-dire qu'ils fondent l'agence tous les deux en réalité en 1938. La légende dit que Hélène, Roger donc, et son compagnon, ils se sont mariés très tard, en 1972. Ils se sont rencontrés avant 1935 et mariés en 1972. Ils auraient eu envie, en 1937, de faire une exposition rétrospective sur les expositions universelles qui avaient été photographiées par Henri Roger, le père d'Hélène. Et Henri Roger, étant de réputation chauvine, aurait refusé de photographier le pavillon allemand à l'exposition et de 1900 et après. Donc, cherchant tous les deux des photographies des expositions universelles et surtout des pavillons allemands, ils seraient tombés sur la boutique de Laurent Olivier, qui est installée donc 6 rue de Seine, Ils se seraient pris de passion pour la photographie qu'ils pratiquaient déjà un petit peu auparavant et auraient acquis, alors non pas les murs, qui ont toujours appartenu à un tiers, mais les fonds de Laurent Olivier, qui étaient à l'intérieur, ainsi que son activité commerciale. La photographie que je vous montre là, c'est le premier déménagement, qui est en réalité un déménagement vers l'extérieur. C'est le couple Olivier, donc vous voyez Hélène qui est la petite dame en tailleur devant, qui dit au revoir à Madame Olivier, qui occupe les locaux avec son époux depuis 1880. Et nous avons peine à vérifier avec le temps, hein. Il faut qu'on vérifie toute la légende Roger Viollet. Donc de temps en temps, je vais vous parler de légende, de mythe, de storytelling. Je vais mettre du conditionnel aussi, parce que c'est une histoire qui mérite d'être vérifiée, qui est très jolie, mais qui mérite beaucoup d'être vérifié, ce à quoi nous nous employons. Donc Hélène Roger et Jean Fischer reprennent les activités de Laurent Olivier. Et Laurent Olivier, donc installé 6 rue de Seine, est un drôle de monsieur. C'est un monsieur de ce qu'on appelait à l'époque des marchands d'images. Donc un marchand d'images, ça possédait un fonds photo, ça possédait un fonds d'estampe, un fonds de gravure, des reproductions diverses et variées, et surtout placé comme il l'était à l'angle de la rue de Seine et pratiquement de la rue des Beaux-Arts, l'activité de Laurent Olivier était essentiellement axée vers les modèles, les étudiants des écoles avoisinantes, auxquels il fournissait des modèles, des reproductions. Vous savez qu'à la fin du 19e siècle, comme c'était trop cher de payer un modèle, c'était moins cher d'acheter des photographies. Laurent Olivier offrait des photos de nus, mais surtout, il avait acquis, dès 1913, le fonds de Léopold de Mercier. Alors, avec le temps, on a fini par trouver, avec l'aide d'une étudiante, que Léopold de Mercier avait en réalité lui-même acheté 4 fonds précédemment, 4 fonds qui sont rentrés chez Laurent Olivier et qui avaient essentiellement pour thème des portraits, bien évidemment, des nus, on en verra après, la botanique, parce que depuis le XVIIe siècle et même avant, les modèles de botanique, les fleurs, les plantes à ajouter dans les tableaux, eh ben, elles ne sont pas forcément de saison. Donc on reproduit la botanique et beaucoup de mobilier, puisque Léopold Mercier a été un des photographes officiels et du musée du Louvre et du garde-meuble. Léopold de Mercier, alors ça c'est le grand bonheur de Martine en ce moment et pour encore quelques années, qui travaille auprès de moi. Il y a aussi Aurore, qui est notre régisseuse. On inventorie en ce moment les photographies des salons.
Alors, on est trois filles, c'est pas du tout Me Too. Hein. C'est-à-dire que n'importe quel sujet, ce sont, pardon, des gonzesses à poil. Là, je vous présente donc Les Monnaies, par Monsieur Lequen, Franck Lequen, en 1901. Donc, et je vous disais, des fleurs peintes cette fois, Léopold Mercier, Laurent Olivier, des modèles, des illustrations pour les étudiants. Après, il faut enrichir. Mais avant d'enrichir, on fait le tour. Les reproductions d'art décoratif. Il y avait aussi bien les artisans que les artistes qui venaient. Les artisans, soit pour s'inspirer, soit pour copier. Là, je me suis amusée à vous montrer, c'est vraiment une promenade à l'intérieur des collections Roger Viollet. C'est une jardinière en pierre, évidemment, du château de Fontainebleau. C'est pour vous montrer la qualité des plaques de verre. Ce sont des plaques de verre qui datent d'environ 1880, qui reproduisent donc cette merveilleuse jardinière. Et vous voyez à quel point on peut zoomer dans les plaques de verre, s'inspirer aussi bien pour les palmettes que pour les ailes. Et nous, du coup, qui travaillons sur ces collections, on essaye de vous donner cet accès à la totalité de ce que contient la photographie, aussi bien le support lui-même que son contenu iconographique. Je dis ça aussi parce que c'est le travail d'une agence de photographie et de ce qu'étaient ces marchands d'images. Offrir non pas uniquement de la photographie n'était pas beaucoup collectionnée ni en vogue encore dans les années 30, mais beaucoup de contenus, des contenus pour la presse, des contenus pour l'édition, des contenus pour les artistes, pour les étudiants, pour les artisans. Ce sont des photos utilisables. Hélène Roger et Jean Fischer, quand ils s'installent, agrègent au fond dont je viens de vous parler, les fonds de la famille d'Hélène. Alors, la famille d'Hélène est une famille absolument exquise, a priori, où tous les messieurs sont inventeurs, où tous les messieurs sont ingénieurs, et toutes les dames féministes sont très enjouées quant à la littérature. Ils sont aussi tous photographes amateurs. En particulier Henri Roger, donc le père d'Hélène, que vous avez en haut à gauche, et à droite avec son frère Ernest. Henri Roger et Ernest Roger étant tous les deux ingénieurs, ayant débuté chez Edison. Les deux photographies du haut sont réalisées dans les laboratoires Edison à Ivry-sur-Seine vers 1890-93. Et en bas, vous avez le premier essai de télégraphie sans fil, puisqu'il se trouve qu'Ernest Roger, donc l'oncle d'Hélène Roger, est un des inventeurs, avec Eugène Ducretet, de la télégraphie sans fil. Donc, vous avez Eugène Ducretet, Ernest Roger. Donc, vous avez Ernest Roger pour vous, là. Ernest, en train de faire sa télégraphie sans fil vers Monsieur Ducretet, qui, lui, est au Panthéon. On est sur des familles où les frères donc, font des études, les sœurs en font d'autres. On se rencontre, on reste dans un quartier. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce qu'Henri Roger, lui, pratique la photographie dès les années 1880 en amateur forcené. Oui, je pense que c'est un amateur forcené. Il fait énormément de photographies. Il adore ça. Il a son laboratoire dans sa maison. Vous le voyez donc pour vous en haut à droite. Mais c'est un garçon assez farceur qui est tombé amoureux donc de la fille du doyen de l'école de droit, Jeanne Viollet. Alors, je ne sais pas s'il lui a fait sa demande le jour où il a grimpé à l'antenne, mais c'est Henri Roger, accroché à l'antenne de la faculté de droit, qui se donne en spectacle pour passer à la postérité. Alors, c'est une photo qui nous amuse beaucoup, mais c'est surtout qu'il y a une partie, on s'est aperçu avec le temps, des archives de la famille qui sont également à la fac de droit de Paris 1, où ils ont des traces des activités du père de Jeanne. Donc, vous avez compris, hein, Jeanne Viollet, Henri Roger, je dirais que ça donne Hélène, dite Roger Viollet, parce qu'Henri Roger, en fait, trouvait qu'Henri Roger, c'était extrêmement commun comme nom, c'était pas drôle. Avec Viollet, c'était plus joli. Donc, c'est comme ça que le nom s'est composé. Alors, Henri Roger a donc fait sa cour avec ou sans antenne à Jeanne Viollet. Ils sont à Chatou, là, un tout petit peu avant 1900, avec sa petite cape en astrakan. Et puis, je trouve que ça a assez bien marché, finalement, la cour. Je pense qu'ils s'en sont bien sortis. Il y a eu donc 5 filles et un fils. Alors, l'histoire est charmante, elle est délicieuse, jusqu'en 1918, puisqu'en 1918, le petit garçon qui est sur les genoux de Jeanne décède, et Jeanne dans la foulée. Donc, Henri va se retrouver. Donc là, on est vers 1915-1916, on est pendant la guerre. Il est mobilisé pendant toute la guerre, il est en uniforme. Quand il rentre de la guerre, il a 5 filles, il est veuf, il a perdu son fils. Mais la photographie continue dans la famille, comme elle avait commencé. Donc, je vous disais, une famille d'inventeurs. On passe ses week-ends à Brunois,
à inventer des montgolfières, à faire de l'aérostatique, à faire de l'aéronautique, à essayer des plans de photographie par-dessus, par-dessous. Henri Roger et Ernest, donc là, Henri est agenouillé et Ernest tient le bâton pour commencer à soulever le ballon. Les fesses à poids devant, je ne sais pas à qui elles appartiennent, et derrière, c'est une cousine. Il y avait un oncle Archibald aussi. Oui, j'ai pas réussi à remettre la main sur tonton Archibald pour préparer la conférence, mais le passionné de la famille s'appelait Archibald et adorait l'aérostatique. Donc vous voyez, on photographie tout. Je vous montre ces photographies parce que c'est ces photographies-là que fera entrer Hélène dans les collections Roger Viollet. À partir de ces photographies, elle va créer des classements aérostatiques, aéronautiques, vie de famille, enfants, couple, militaire. La vie privée de la famille Roger et de la famille Viollet vont alimenter la composition des collections et ce qu'on peut appeler l'offre de vente de l'agence. Alors avoir beaucoup d'enfants, ça permet d'avoir beaucoup de modèles. C'est vachement pratique. En plus, ce sont des modèles captifs. Donc vous les avez sous la main tout le temps. La belle-sœur aussi, les jumelles. Et puis au bout d'un moment, il y a la belle-sœur, il y a les cousines, il y a les jumelles. Tout le monde grandit. Et tout ce monde-là est photographié sur le balcon de la rue de l'Ancrie où habitaient Henri Roger et son épouse. Ça dure très longtemps. Et alors, que je vous dise, la nôtre, parce que c'est évidemment celle qui fait la tête. Voilà, la nôtre, c'est Hélène avec les petites mains jointes au milieu, en train de bouder. C'est Hélène aussi sur le fauteuil, à moins d'un an, dans le costume de son père. Donc, vous voyez, les gamines sont photographiées absolument toute leur vie. Elles vont se coucher, elles sont photographiées. Elles sont déguisées, elles sont photographiées. On les pose dans la baignoire, enfin n'importe quoi, elles sont photographiées. Et ensuite, les photographies sont rangées à enfants allant se coucher, déguisement, mardi gras, et ça alimente. Alors Henri Roger, il a aussi inventé, il n'a pas déposé de brevet, c'est assez étonnant, il travaillait vraiment autrement. Après avoir été ingénieur, il est devenu bronzier éclairagiste. Donc, il avait une entreprise qui faisait ce qu'on appelait à l'époque des bronzes d'art, donc des appliques, des lustres, etc. Tout en continuant la photographie, là, vous avez une des premières photographies faites par lui, un autoportrait. Et il a inventé des petits systèmes de ce qu'il appelait la bilocation et la trilocation. Donc, il prend une photographie de lui-même, il la réduit, il en refait une autre, il s'isole et il finit par faire un montage où il y a un Henri qui en regarde un plus petit sur le tabouret ou trois Henri en train de jouer aux dames. Et puis, toujours pareil. Qu'est-ce que j'y fais encore? Pardon. Le public des enfants étant captif, on fait des bilocations avec tous ces enfants et ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'enfants quand même. Tout ça. Là, c'est classé à trucage. Pour que ceux qui se posent la question, c'est rangé à photographie trucage. Pour autant, quand donc Hélène Roger, dite Viollet, Roger Viollet et Jean Fischer reprennent donc le commerce de Laurent Olivier en 1938, on ne peut pas dire que les conditions historiques soient au top pour un développement rapide du commerce avec ce qui les attend. J'ai peut-être oublié de vous dire que Jean Fischer a le bon goût d'être allemand. Donc, ce n'est pas non plus l'idée du siècle à ce moment-là. Il est évidemment incorporable potentiellement dans l'armée qui va devenir l'armée d'occupation. Donc Jean Fischer, lui, on ne sait pas du tout quelle étude il a fait. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il est passé avant à la Légion étrangère. Déclaration de guerre, pouf. Jean Fischer repart en Afrique du Nord à la Légion étrangère pour échapper évidemment à l'armée allemande. Et Hélène va chercher son beau légionnaire à partir de la fin de l'année 1939 pour le ramener en France. Alors on a longtemps cru qu'ils s'étaient cachés pendant la totalité de la guerre tous les deux dans le Puy de Dôme à Pierrelatte. Il s'avère qu'ils ont manifestement fait pas mal d'allers-retours entre Paris et le Puy de Dôme. Pour surveiller, alors, parce que l'histoire très jolie dit que, au miracle de cette petite agence installée 6 rue de Seine à partir de 1938, la guerre ne la voit pas, cette agence. Les Allemands passent devant les murs, il n'y a pas de pillage, il n'y a rien, et ils rouvrent en 1945 sans dommage. En réalité, ils ont fait beaucoup d'allers-retours.
Ils ont surveillé leurs biens. L'agence était installée, elle était protégée. Et ça ne les a pas empêchés, dans le même temps, d'inventer à Pierre Latte une petite entreprise qui s'appelait Novas, savon à l'envers, on va dire bien dans l'esprit du temps, puisqu'ils fabriquaient à la fois des savons, des teintures pour les jambes, des petites lessives, des dentifrices, le tout à partir de la pâte qu'ils trouvaient dans la rivière avoisinante. Ils ont continué à pratiquer la photographie pendant toute la guerre, et en rouvrant en 1945, là s'ouvre une période extraordinaire, je pense comme seule cette période a pu en voir, de course. J'appelle ça une course à l'échalote, c'est pas très élégant, mais de course au fond photographique forcené. C'est-à-dire que des quelques fonds que je vous ai décrits, donc encore une fois, Léopold de Mercier et ses quatre acolytes, Laurent Olivier, les familles Roger et Violet, Hélène Roger et Jean Fischer vont porter le pécule de leur collection des quelques 100 000, on va dire, photographies du début à 8 millions. Donc vous imaginez ce qu'il faut entre 1945 et 1985 pour acquérir 8 millions de photographies. Alors ils acquièrent aussi bien des fonds pleins et entiers que des fonds modestes, que des fonds énormes, que des fonds petits, que aussi des photographies à la pièce ou à la dizaine quand elles manquent. Là, je vous montre les deux premiers fonds qui sont rentrés dans l'agence dès 1985, Photorap et Pierre Schumoff. Photorap, c'est le fonds qui date de la fin des années 20 de David Rapaport, donc qui est communiste, extrêmement engagé en politique, photographe, qui a suivi l'immigration russe, polonaise et juive en France dès les années 20. Il a disparu dans les camps de concentration. Il avait auparavant intégré au fonds Photorap le fonds de Pierre Schumoff, photographe russe, venu à Paris en 1911. Où il est devenu le dernier photographe de Rodin. Donc vous voyez, ce qu'on commence à ajouter à ces reproductions d'œuvres d'art, c'est des photographies politiques, ce sont des photographies artistiques, des photographies aussi qui dépassent très longtemps le cadre de l'exploitation. Il y a quelque chose chez Hélène Roger-Violet et Jean Fischer de l'ordre de la collectionnite, du cumul, du magma. C'est-à-dire que tout ne sert pas dans les collections Roger-Violet. Tout n'est pas forcément utile. Pour autant, rien n'est détruit. Tout est conservé. On a beaucoup de reliquats. On a beaucoup de photographies qui ne sont évidemment et qui n'ont jamais été vues et qui ne sont pas exploitées. Tout n'a évidemment pas la même importance. Par contre, ce qui est important dès le début de la photographie, mon mauvais esprit va vous le répéter, mais c'est quand même les photos de nu, les photos de chats, et Internet n'a vraiment rien inventé. Parce que vous vendez beaucoup mieux des photos de chats que des photos de brillants. Je ne sais pas pourquoi, pourtant les moustaches sont là à chaque fois, mais le chat se vend mieux. Et le chat donc est beaucoup plus rentable, donc forcément plus intéressant. Il n'y a pas que le chat, évidemment, qui est intéressant. Le but d'Hélène Roger et de Jean Fischer, c'est... Alors ça, c'est ma blague régulière, mais en même temps, on était installés en face. Hein. Roger Violet, c'est la Samaritaine de la photographie. C'est-à-dire que vous trouvez tout. Vous rentrez, vous demandez, vous trouviez à peu près tout. Et ça guidait la politique d'acquisition de la maison. C'est-à-dire qu'il pouvait manquer des choses. On se disait, ah, bah tiens, on va ajouter ça. C'est évidemment la façon dont ont procédé Hélène Roger et Jean Fischer, en intégrant par vagues, en réalité, qui correspondent simplement aux périodes d'activité des photographes et forcément de leur décès. Très souvent, les fonds sont rachetés après décès aux ayants droit du photographe ou au photographe lui-même en fin d'activité. Au début des années 60, donc vous avez cette vague qui contient Laure Albin Guillot, Henri Martini, Jacques Boyer, Albert Arlingue et Maurice Louis Branger. Je les détaille, vous m'arrêtez si vous voulez. Albin Guillot, elle est née vers 79. Raté, elle est morte en 62, elle est née en 1872. Elle a travaillé avec le Tout Paris dès les années 20, les années 30. Elle a travaillé très tard, jusque dans les années 50. C'est la première artiste femme qui est rentrée à la Maison des artistes de Nogent pour sa retraite. Henri Martini, il a travaillé avec son fils. Ils étaient tous les deux attachés assez longtemps à l'Assemblée nationale. Des portraits en tout genre, et en particulier des portraits absolument sublimes d'Artaud, de tous les surréalistes, de toute cette vogue, de Zara, de Desnos. C'est un portraitiste extraordinaire. Son fils, Élie, c'est beaucoup moins rigolo, c'est beaucoup d'hommes politiques très ennuyants qui font tous la tête en plus, donc voilà. Mais encore une fois, tout est gardé et servira un jour.
Jacques Boyer, il s'appelait photographe scientiste. Alors, c'était très chic. Il faisait énormément de ce qu'on appelle des repros, c'est-à-dire il vendait aussi bien des photographies merveilleuses qu'il allait faire que des photographies qu'il reproduisait. Donc, on a dans le fond Boyer. Alors, pour l'instant, on a du mal à se lancer dans l'inventaire parce que faire l'inventaire des photos de puces, c'est pas super évident et super motivant. Mais vous voyez, de temps en temps, il y a des scènes à Paris qui sont merveilleuses. Ce sont tous des photographes qui sont parisiens. Ce sont tous des photographes dont les studios étaient à Paris, étaient installés. Qui rue Seveste, qui boulevard Excelmans, qui dans le 5e, qui dans le 12e. Ils travaillent tous avec la presse parisienne. Ils sont tous publiés dans la presse parisienne. En haut, pour vous, à droite, une photo à laquelle, en interne, on a du mal à résister. C'est le regard extatique de Maurice-Louis Branger sur son épouse, qui a l'air complètement blasée. Je vous avoue que cette photographie m'amuse beaucoup. Et en bas, une photographie d'Arling réalisée. Il a fait un très beau reportage à la Bibliothèque nationale, qui était absolument exquis, pour montrer les métiers. Il y a un attachement dans les collections Roger Viollet aux métiers. L'artisanat est important, la main est importante. Et on a d'autant moins de scrupules au jour d'aujourd'hui à faire valoir la photographie du point de vue de sa matérialité. Nous, c'est quelque chose à quoi on tient beaucoup. On continuera. Je continuerai de vous en parler, mais à la fin de cette petite intervention. Au début des années 70, ils font un coup d'éclat extraordinaire. Ils achètent à Bernard Lipnitsky la totalité de la production du studio Lipnitsky. Studio Lipnitsky, donc Boris, y vient avec tous ses frères à Paris à partir de 1912, il s'installe. On n'arrive pas encore à savoir comment c'est possible. Ce Boris rencontre à peu près dans les premières personnes Paul Poiret. Il y en a quand même qui n'ont pas de bol, moi je dis. Arriver à Paris, rencontrer Poiret, le luxe, le pied complet. Boris Lipnitsky travaille immédiatement avec Poiret. Il photographie toutes les collections de Poiret pendant les années 20. La vie privée, les costumes, les fêtes de Catherinette, Denise Poiret habillée de façon merveilleuse. Et surtout, il est accompagné par ses frères. Il a 4 frères, dont 3 travaillent avec lui. Et ensuite, par son neveu Bernard, qui reprend le studio. Alors, dans la série La faute à pas de chance, quand Boris réussit à échapper à l'occupation et à partir à New York en 1942, la personne qui l'accueille à New York, c'est Marc Chagall. Première rencontre, Poiret. Deuxième adoption, Chagall. Pas mal. En même temps, Chagall, il le retrouve, puisqu'en réalité, ces deux messieurs... alors, il part en vacances avec Poiret à Biarritz. Il part en vacances à Megève avec Marc Chagall. Il va aussi à Monte-Carlo, parce que c'est... Voilà. Il fait fonctionner tout son studio, et lui se garde les voyages. Le studio Lipnitsky, pour vous donner une idée, c'est à peu près 1 million de négatifs et 1 million de tirages. C'est un fonds monstrueux. Les Lipnitsky couvrent la totalité de la vie littéraire et artistique entre le début des années 20 et la fin des années 60. Donc, je vous disais, quand il va dans le sud, c'est pour retrouver Picasso et Prévert, ou Chagall, avec David McNeil et Virginia. Là, on est pour David McNeil en 51, et pour Prévert et Picasso en 52, et puis un des modèles de Poiret, parce que j'ai du mal à résister aux modèles de Poiret, c'est mon côté photo de mode. On est bien aux archives, on peut partager des tas de photos de mode avec eux. Donc voilà, les modèles de Poiret photographiés dans le jardin de Poiret dans les années 20 sont des négatifs qui sont merveilleux. Je vous disais donc Jacques Boyer, ce photographe scientiste qui photographiait beaucoup de plantes, donc il prend la suite. C'est un fonds qu'on ne désespère pas de faire remonter, comme on dit, parce que les fonds effectivement de photographie de botanique sont des fonds qui sont très négligés, très collectionnés. Il y a beaucoup de collectionneurs privés qui s'intéressent aux photographies de botanique, mais en termes de reproduction, on n'en a plus vraiment besoin aujourd'hui. Pour autant, ce sont des objets qui sont extrêmement beaux, et je vous ai sorti une photographie de Branger pour vous dire aussi que ce qui guide Hélène Roger et Jean Fischer, c'est aussi l'aspect historique. Cette volonté de cette agence parisienne, c'est de rester extrêmement parisienne et en même temps de vous ouvrir sur tout ce qu'est le monde en photographie. C'était vraiment la devise de Roger Viollet. Hein. C'était l'art et le monde en photographie. Cette photographie de Branger est une merveille. Il est le premier dans les collections de l'agence à avoir couvert la guerre des Balkans en 1913. Il a, comme Arling, fait la Première Guerre mondiale dans les services photographiques et cinématographiques de l'armée. Et il a photographié la vie parisienne et la vie politique aussi, entre 1900 et 1935. Le point Branger également, c'est qu'il a beaucoup couvert les affaires criminelles. On a comme ça toute la couverture de l'affaire Stenel par Maurice-Louis Branger. Autre énorme coup, vraiment un coup fabuleux,
Pour un franc symbolique, Hélène Roger et Jean Fischer ont acquis les fonds Ferrier-Soulier, Léon et Lévy, Nordheim et compagnie des arts photomécaniques. Ce sont ce qu'on appelle des fonds d'imprimeurs photographes qui existent depuis les années 1850. Une manne fabuleuse, une manne extraordinaire, que des plaques de verre, que des grands formats, puis après des moyens formats. Photographe imprimeur, imprimeur photographe, parce que quand vous voyez des photographies sur les marchés légendées ND Phot, X Phot, 0 Phot, c'est des photographies Nordheim. Quand vous trouvez des photos LL, c'est Léon et Lévy. Quand vous trouvez des photos CAP, c'est Compagnie des arts photomécaniques. Ferrier-Soulier est plus méconnu, mais c'est le studio dans lequel les autres ont commencé. Ce sont des photographies extraordinaires. Ce sont ces photographies que vous voyez dans les compartiments de train quand on était petite. Il y avait toujours des photographies qui représentaient les villes où on allait, les villes qui étaient desservies par les trains. Bah, c'était ces photographies-là qui servaient. Nordheim a remplacé, par exemple, Braun pour les photographies des musées de France. Ils ont eu un moment, en même temps, un petit peu après, que Léopold Mercier, ce qu'on appelait les concessions. C'est-à-dire que les musées, en l'occurrence le musée du Louvre, faisaient un contrat avec un photographe et ce photographe était le seul à avoir le droit de vendre ses photographies à l'intérieur du musée. Ça a été le cas de Nordheim, qui a fait aussi beaucoup des photographies des salons de beaux-arts qu'on inventorie actuellement. Léon et Lévy, ce sont des photographies de parcours du monde. Ils ont photographié avec Ferrier-Soulier au départ le siège de Gaète. Ils ont aussi beaucoup échangé de photographies. N'oubliez pas que le droit d'auteur en photographie est propre en 1957. Avant, c'était un petit peu le bazar. Tout le monde reproduit tout le monde. Mais là, ce qu'Hélène Roger et Jean Fischer achètent, ce sont des objets, on dirait des matrices aujourd'hui, des négatifs, ce que nous on appelle des phototypes transparents, donc aussi bien des plaques de verre que des supports au nitrate, à l'acétate de cellulose, je vous montrerai, ou que les films 24-36 qu'il y avait dans tous nos appareils jusqu'aux années 2000. On achète du matériel d'exploitation. Ce qu'on veut, c'est pouvoir proposer des photographies des expositions universelles, des photographies exotiques, des photographies folkloriques, des photographies de Paris. Le but, c'est d'aller partout où peut aller la photographie. Alors là, je me suis amusée, permettez-moi de ne pas vous mettre les légendes, tout simplement pour vous montrer la variété et vous décrire comment on peut aussi trouver des photographies. Je commence en haut avec le moustachu qui fait la tête. C'est Octave Mirbeau par Albert Arlingue. Énorme production dans les collections Roger Viollet portant sur ce qui s'appelait les littérateurs à l'époque. Quelqu'un sortait un livre, quelqu'un sortait pas un livre. Arlingue, Branger, ils faisaient une verticale, une horizontale, c'était publiable et on repartait. On n'avait pas assez de Mirbeau, on reproduisait des photographies de Mirbeau, d'autres photographes et on les ajoutait à la proposition. Au centre, Philippe Soupeau par Henri Martini. Le monsieur en haut avec son noix. Alors Loa, elle va passer un mauvais quart d'heure parce que c'est le Noël 43 à Paris. Je crains que le lendemain, Loa ait été moins fringante. Lapi, Robert Delay, une drôle d'agence qui a travaillé beaucoup avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il s'est avéré au bout d'un moment que, ben forcément, quand on est dans la Drôme à faire du savon et qu'on ne fait que des allers-retours à Paris, et ben, les photographies de la Seconde Guerre mondiale manquent dans les collections. On n'en a pas et quand on arrive aux années 60-70, et ben, ça commence à devenir un sujet historique avec lequel il faut pouvoir illustrer. Donc on va rechercher Robert Delay, collaborateur notoire, pour intégrer son fonds aux collections Roger Viollet. Après, c'est un collaborateur qui a plutôt bien fini puisqu'il est devenu, il a fait un grand séjour à la campagne. À partir de 1945, il était beaucoup à la campagne. Il est revenu au début des années 50 avec un très joli titre. Il était le photographe officiel de l'Arc de Triomphe. Voilà. Il y a des gens à qui les choses réussissent. En bas à gauche, un très grand nu de Laure Albin Guillot, extrêmement gracieux. Au centre, je vous ai mis un tondeau de Gaston Paris avec une publicité qui nous amuse beaucoup parce qu'on était tombé dessus par hasard il y a longtemps. C'est Gaston Paris, donc, dont le fond est rentré dans les collections de l'agence en 1964 avec une autre tranche en 1983. Certains photographes faisaient de la publicité, certains photographes étaient déjà sponsorisés.
par les appareils photos, par, ou même par la Compagnie Générale Transatlantique. Hein, certains faisaient des voyages à l'œil souvent pour faire de la promotion. Et en bas à droite, pour vous, une planche contact de Roger Berson, qui représente Kees Van Dongen dans son atelier. Donc vous voyez cette variété, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer en disant « je voudrais un nu ». Ok, un nu, de fille, de garçon. Voilà, donc on va chercher. Et le client, à l'époque, ne savait pas forcément de qui étaient les photographies. Ça a été notre travail à nous, dans les 20-25 dernières années, de passer de allez, une douzaine de photographes à une centaine de photographes, de réattribuer les photographies à chacun et de commencer des inventaires conséquents des fonds pour les mettre à disposition. Alors Martine m'a dit que mon prince Paul Troubskoï en haut à gauche était sinistre. Donc je me suis vengée. J'ai mis François Pompon à droite avec sa moustache. Pour vous montrer aussi ce que je vous disais, donc les artistes, très 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 important les artistes, c'est vraiment quelque chose qu'on vient chercher dans les collections Roger Viollet. On avait fait avec un immense plaisir au Petit Palais une grosse exposition sur les ateliers d'artistes, puisque tous les photographes dont nous conservons les fonds, ont photographié les artistes de leur temps, en même temps que pour certains, quand même, ils sont devenus aujourd'hui des photographes. Comme je suis une peste, je n'ai pas pu résister au fait de vous mettre Suzy Solidor, sa sublime coupe de cheveux, à côté de son sublime lévrier afghan. Parce que quand même, il y a des moments où il faut se venger un tout petit peu. Et je trouve cette photo de ce chien et la façon dont elle tient ce chien me réjouit depuis 20 ans. Et je vous parlais d'acquisition aussi de photographies à la pièce. C'est comme ça que quand on dépouille les fonds, que quand on les étudie, on tombe sur des photographies qui ont été achetées probablement soit par plaisir, soit par hasard. Parce que ce sublime portrait de Marthe Chenal qui a été exposé à l'exposition Missia Certe au musée d'Orsay et de Rosen, très grand photographe qui a photographié les balais russes. Le spectre de la rose, par exemple, de Liffard, sont des photographies de Rosen. Mais pourquoi acheter un portrait de Marthe Chenal par Rosen? Les achats par lot, ne pas oublier que la photographie, elle est petite, elle ne prend pas de place. On la vend plus facilement par 10, par 100, par caisse que par une. Mais c'est vrai qu'on a le plaisir de conserver ce portrait de Marthe Chenal qui est fort joli. Donc, je vous le disais, hein, le photographe est important ou pas. Et le sujet maintenant est parfois moins important que le photographe, dès lors qu'on a réussi à faire remonter les photographes, ce qui est toujours une petite victoire pour la postérité. Donc je vous montrais, je vous parlais de Ferrier-Soulier, les ateliers de vues stéréoscopiques. Les vues stéréoscopiques, vous savez, ce sont ces objets doubles, avec un minuscule décalage, qui font qu'au moment de la prise de vue, alors j'ai besoin de mes deux mains pour vous décrire, mais vous en fichez peut-être un petit peu, vous photographiez votre objet avec deux objectifs, droite-gauche, vous le retournez forcément pour faire le tirage, vous coupez, vous inversez, et votre œil, avec des miroirs en W, vous restitue le relief. Si un jour vous n'y arrivez pas, j'ai un conseil à vous donner, laissez-vous aller à voir flou, quand vos yeux reviennent au net, en général vous voyez le relief. C'est vachement chouette. Ce sont des vues qui sont extrêmement communes, qui sont extrêmement nombreuses, qui ne coûtent rien à réaliser et qui sont aussi bien originales que des reproductions. Il y a un commerce énorme de la photographie en stéréo. On y fait travailler les femmes et les enfants. Vous voyez en haut à gauche, c'est les ateliers de Ferrier-Soulier pendant le Second Empire. Traditionnellement, les hommes font les photographies, font les tirages, les femmes font les montages avec les enfants, et la mise en couleur est faite selon la délicatesse des mains de chacun par les femmes et les enfants. La photographie est un métier dans lequel il y a beaucoup de femmes, très vite. C'est un métier qui est beaucoup pratiqué, il y a beaucoup, beaucoup d'anonymes. On a toujours l'impression que cette photographie est quelque chose d'un tout petit peu élitiste. En réalité, elle est assez peu chère dès le début du XXe siècle. Et alors, à partir des années 30, c'est un festival. Mais il y a énormément de photographes amateurs qui ont photographié très simplement et en stéréo. Bon, là, je vous disais que la famille Roger aimait la photographie. C'est donc toujours les ateliers d'Edison avec les deux frangins Roger chez Edison. En bas, vous avez quelque chose qu'on a oublié, mais qui avait beaucoup, beaucoup de succès jusque dans les années 20, ce qu'on appelait les cartes albums et les grands panoramas. C'est-à-dire que vous pouviez acheter des photographies à la pièce. En l'occurrence, ici, c'est la porte de l'exposition universelle de 1900 par Nordine. Ou, si ça vous plaisait plus,
la rue Soufflot. Je vous ai montré donc une photographie. Vous voyez le LL en bas à droite dans la fontaine en bas du Luxembourg. C'est cette marque où vous pouvez reconnaître les Léon et Lévy. Et à gauche, c'est une photographie Nordheim. À gauche, c'est évidemment le tirage albuminé qui est photographié. Et à droite, c'est une numérisation de la plaque de verre. Ah oui, je vais faire ma casse-pied. Juste, si vous voulez bien garder en tête qu'une photographie noir et blanc, elle n'est jamais noir et blanc. Elle est monochrome. En fait, on a insisté très longtemps avec mon équipe pour faire numériser nos photographies, non pas en ce qu'on appelle des niveaux de gris, mais en couleurs. Tout simplement parce qu'avec le temps, les couleurs passent, les couleurs changent, et surtout que les roues, les aubergines, les auburnes d'un tirage albuminé ou d'un collodion qui est violet, et ben c'est autre chose que du noir et blanc, et je vous assure que l'objet est bien plus joli. Alors, ce n'est pas parce qu'on est photographe parisien qu'on est cramponné à Paris, je vous le disais. Hélène Roger et Jean Fischer, ils ont réussi un truc quand même vachement sympa. C'est qu'ils avaient attaché un nombre de documentalistes à l'agence absolument phénoménal. Ils les faisaient trimer, ils embauchaient des tas d'étudiants à qui ils faisaient faire des tas de choses. Et eux, ils voyageaient 4, 5, 6, 7, 8 mois par an. Alors, le grand mythe du reporter, Hélène Roger et Jean Fischer, on tente. C'est pas qu'on veut le détruire, c'est qu'on essaye de l'étayer. Et ça fait 20 ans que je me rate. Je n'y arrive pas. C'est-à-dire que quand ils voyagent, c'est avec des tours opérateurs. Là, elle ne se prend pas du tout pour Amelia Earhart. Hein. On est en 59, elle est à Saint-Barth. Tout va bien, elle ne prend pas de risque. En bas, à gauche, ils sont en 1959 à Cuba. Ils rencontrent des soldats castristes, il ne se passe rien. Ils sont tous super contents, il n'y a pas de révolution. Quand ils font des photographies de ski, c'est sur le toit d'un immeuble à Paris, rue de Ponthieu, on est en 48, en haut à gauche. Quand Hélène se prend pour Georges-Henri Rivière en Afrique, elle descend juste de la voiture et elle photographie les autochtones. Quand elle va à Saïgon, on est en 64, vous voyez ce qui se passe quand même en 64-65 à Saïgon, on est loin des photos de Philip Grant Griffiths. C'est extraordinaire comme les fondateurs de l'agence dont nous conservons les fonds ont été périphériques à la grande histoire. On est fascinés. Aurore Martine et moi sommes fascinés et avons dû, l'année dernière, nous plonger dans les tapuscrits de voyage d'Hélène Roger et de Jean Fischer. C'est un festival d'ethnocentrisme comme j'en ai jamais vu. Ils n'aiment personne. Mais quand je vous dis personne, c'est personne. Personne ne trouve grâce à leurs yeux. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous ne vaudrait le coup de passer à la postérité. Ils l'écrivent avec une absence de complexe extraordinaire. On est dans. Je suis fascinée. Je n'ai pas fini, mais je reste fascinée. Fascinée aussi par cette mise en scène de l'agence Roger Viollet, par cette documentation photographique autour de laquelle tout s'organise, autour de laquelle on monte ce mythe, cette légende extrêmement attractive. Mais elle est attractive, elle est charmante, elle est. Démonter le mythe est tout aussi intéressant que de le véhiculer. C'est-à-dire qu'on va photographier aussi bien très loin que tout près. C'est-à-dire que vous avez des documentalistes, la documentaliste est décorative, youpla, on l'intègre aux collections. Il y a une visite officielle présidentielle dans le quartier, la garde républicaine est devant l'agence, eh ben, on colle un peu plus la garde républicaine à l'agence et on la photographie. Hop, il y a un gosse qui passe, il y passe, si j'ose dire. Notre collègue Alain Bonnour, qui est en bas au centre, étudiant non déclaré pendant de longues années, avec qui on a travaillé, Martine et moi, pendant très longtemps, avec un immense plaisir, et Annick Cobern, notre collègue qui était chargée du théâtre. Voilà, on photographie même le travail de l'agence, tout est documenté. Il y a une espèce de boulimie de créer de l'image, ils ne savent pas choisir. Alors, c'est le contraire des préceptes exposer ou diffuser, c'est choisir. Chez nous, ils ne choisissent rien, tout y passe. Tout est tiré, c'est un festival, on n'en peut plus. Au point qu'il y a tellement de photographies au bout d'un moment qu'ils ont besoin de coloniser quelqu'un. Donc ils cherchent à coloniser. Ils ont mis le grappin sur le Petit Palais,
à un moment. Donc ce que vous voyez en bas à droite pour vous, c'est l'entresol du Petit Palais où maintenant il y a la boutique, ce qu'ils appellent eux le champignon au Petit Palais, où il y a eu pendant très longtemps une bonne partie des collections Roger Viollet. Vous remarquerez que du point de vue de la conservation préventive, nous n'y sommes pas du tout. On a un tropisme pour le bord de Seine qui n'est pas très heureux. C'est-à-dire que photographier des plaques de verre en bord de Seine, vous avez un dégât des eaux, la gélatine coule de la plaque, la photo est collée. Il ne s'est à peu près rien passé. L'eau est souvent tombée du dessus, mais rarement montée d'en dessous. Il se passe quelque chose, on y va. Le documentaliste qui traînait là, bah, c'était encore Alain, il n'avait pas de chance. On est en 74, il y a une scène minuscule dans Le Cavaleur avec Rochefort. Je crois que c'est Catherine Le Prince qui est avec lui. Et bah, le documentaliste, il passe dans le square, il photographie Jean Rochefort et c'est intégré au classement cinéma. Il n'y a aucun petit profit, il n'y a rien qui nous échappe. Le balayeur est photographié, le type qui va creuser la tranchée devant pour changer le gaz ou l'eau, il est photographié. Tout le monde y passe. Ah, y a aussi un truc très drôle, je voulais vous le mettre, mais je ne l'ai pas trouvé. Quand le sujet manque, on l'invente. Besoin d'un aveugle ? C'est Monsieur Fischer qui fait l'aveugle. Il emprunte sa canne blanche à un type qui passe, il met des lunettes noires. Sa femme le photographie et ça finit dans handicap aveugle. Moi, ça me fascine. Je pense qu'il faudrait qu'on y pense quand il manque un truc de se mettre en scène et de se vendre après. Ça marche avec le selfie, hein, mais quand même, je trouve que c'est un talent, c'est assez drôle en plus. Pour autant, ce que maintenant racontent les collections Roger Viollet, c'est à la fois l'histoire d'elles-mêmes, l'histoire de chacun des fonds, de chacun des photographes, de leur rassemblement, de leur organisation. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de plaisir à publier dans le catalogue Gaston Paris de l'exposition qui est en ce moment à Beaubourg un petit article sur comment un fonds rentre dans une agence et comment il est à la fois absorbé et désorbé dans les classements. C'est-à-dire qu'on va trouver le moyen de multi-utiliser les photographies. Donc ça, c'est une photographie de Laure Albin-Guillot représentant un de ses stands pour une exposition vente au début des années 30. Albin-Guillot, elle faisait plein de choses avec la photographie, de la décoration, des livres, de la mode, beaucoup, beaucoup de publicité. C'est la première photographe à avoir théorisé la publicité en 1933. Et vous voyez à quel point, au jour d'aujourd'hui, dans les photographies qu'on conserve, on peut trouver plein de choses, on peut alimenter plein de choses, à la fois l'histoire du médium. Et pour nous, c'est devenu quelque chose presque d'aussi important que ce que l'image représente. Qu'est-ce qu'elle véhicule, qu'est-ce qu'elle contient au-delà de l'image évidente. Oh, ça, j'ai pas résisté, c'est mon côté cruche. Mais vous imaginez bien que cette photographie d'Albert Roussel n'a de succès que pour une seule raison. C'est le châssis à moi. Parce que toute la série d'Albert Roussel est assez barbante. Donc c'est Boris Lipnitsky qui est allé chez le couple Roussel. Remarquez que tout le monde est concentré sur le chat quand même. C'est la star de la photo. À Varengeville, c'était cette colonie merveilleuse où il y avait Georges Braque, tout le monde se réunissait en Normandie. Boris Lipnitsky connaissait tout le monde. Il connaissait Albert Roussel. Évidemment, ce châssis à moi fait mon bonheur. Je vous le montre aussi pour vous dire comment on a travaillé. Martine a très longtemps travaillé au service indexation. Et on s'interrogeait de temps en temps sur quel serait le mot évident pour retrouver les photographies. J'ai négocié très longtemps pour que cette photographie soit également indexée à strabisme et à coussinet. Parce qu'il n'y en a qu'une que l'on peut retrouver avec strabisme et coussinet dans les collections Roger Viollet, c'est celle-là. Je crois que je n'ai pas réussi, je crois que je n'avais pas obtenu satisfaction. Je continue de la chercher, mais voilà. C'est assez rigolo parce que finalement, vous vous retrouvez avec tellement de choses différentes. Il est évident qu'on a beau faire des efforts, lire, se cultiver, apprendre tout ce qu'on peut, on ne pourra jamais tout savoir. 8 millions de photographies, 100, 150, 200 photographes, on n'arrive même plus à savoir. Des objets, encore une fois, achetés à la pièce. Là, vous avez ce qu'on appelle un photochrome. Donc, ce sont des procédés noirs et blancs passés en couleur par des planches d'impression qui représentent tout et n'importe quoi. On reconditionne, on met en classeur, on légende aussi finement qu'on peut. Je vous montre quand même comment on numérise des albums. Ah oui, c'est Paul Claudel à droite. On a que des types qui font la tête, en fait. On n'a que des moustachus qui font la tête. On est très Troisième République. Si vous êtes moustachu et que vous faites la tête, il y a peut-être une option chez nous. Vous voyez à peu près cette variété, en fait, de photographies qui composent les collections Roger Viollet. Vous imaginez bien que pour nous qui les conservons, ce qu'elles contiennent, je vous le disais, est important aussi bien du point de vue matériel que du point de vue iconographique, ce qu'elles vont représenter, des rapports que ça suppose parfois entre le modèle
et le photographe, et puis de ce qu'elles contiennent au dos, le recto et le verso. On a envisagé un moment de numériser recto et verso. Je ne sais pas pourquoi mon ancien directeur ne m'a pas suivi, parce que ça faisait 16 millions de fichiers. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait. Bon, bref, on essaye, nous, effectivement, que quand vous cherchez une photographie Roger Viollet, vous trouviez tout ce qu'on peut offrir d'informations et tout ce qu'on peut ajouter, nous, d'informations de par notre connaissance pour que ceux qui prendront notre suite n'aient pas à chercher inutilement. Alors, il y a un petit luxe aussi qu'on s'est offert. À droite, c'est une étagère de reliquats. Alors, tous les rectangles blancs, ça n'est pas du tout parce que ce sont des photographies pornographiques, c'est juste parce que vous ne voyez pas que j'ai écrit dessus qui étaient les photographes. Mais on les laisse dans cet état-là. On a trois étagères dans cet état-là. On y tient infiniment pour montrer, je vous demande vraiment pardon, aux étudiants et aux visiteurs à quoi ressemblent les fonds de photographes quand ils rentrent dans les collections. Ça ressemble à ça. C'est ce bazar. Un photographe est systématiquement bordélique. Je travaille dans la photographie depuis plus de 30 ans. J'en connais deux qui sont ordonnés. Deux. C'est beaucoup trop peu. On a un boulot de dingue pour remettre les choses en ordre, parce que c'est pas parce que la vitrine, encore une fois, de la Samaritaine de la photographie est en ordre que le reste est imparable. C'est-à-dire que vous avez un ordre, évidemment, pour les sujets, un ordre pour les négatifs, et ces ordres sont complémentaires. Donc, quand je demande une recherche à Martine et que j'ai besoin d'aide en catastrophe, la dernière, c'était l'exposition universelle de 1867. Eh bien, elle a couru comme un lapin de couloir à une dizaine d'endroits pour rassembler tout ce qui pouvait concerner l'exposition de 1867. Donc, cette extrême documentation nous amène évidemment à revenir sur les objets. Là, vous avez les mains des ateliers de restauration et de conservation des photographies de la ville de Paris en train de restaurer un daguerréotype. On en a une 160aine parce que ce que je vous montrais, excusez-moi, je reviens en arrière, ça ne m'arrive pas souvent. En haut à droite, c'était parce qu'il fallait ancrer Roger Viollet dans l'histoire de la photo. Roger Viollet, ce n'est pas 1938. Roger Viollet, ce n'est pas 1880. 1880, c'est Laurent Olivier. Sauf que Laurent Olivier, en vrai, il a repris la boutique d'une bouquiniste. Non, on ne va pas hésiter. Hélène Roger et Jean Fischer n'ont pas hésité. Roger Viollet, photographie Hubert Alès, ils ont mis quand même Daguerre et Niépce au mur. Comme si on était là depuis le début. Hein. L'invention de la photographie, c'est un peu, c'est nous. Ce n'est pas la République, c'est l'invention de la photographie. Ils ont acheté tout ce que vous voyez autour sur des daguerréotypes, des ambrotypes, des ferrotypes, donc des procédés très anciens, décrochés depuis, restaurés depuis. Mais voilà. On a aussi, donc là, ce que vous avez en bas à gauche, ce sont les négatifs Lipnitsky. Au milieu, la collection Branger. À droite, les reconditionnements auxquels nous avons procédé depuis le temps. Les traitements des grands formats, quand je vous parle de matérialité, nous, on est très, très attachés aux objets photographiques. D'ailleurs, on participe à partir de la rentrée cette année à un séminaire à l'École normale supérieure sur la génétique photographique en insistant sur le procédé, sur les procédures, sur le médium, sur sa création, sur ce qui est déjà là dans la photographie et ce qu'elle va devenir. Il est très important pour nous de transmettre non seulement ce que la photographie contient, mais ce qu'elle est, c'est-à-dire l'histoire de la photo, mais son historiographie aussi, et de documenter de fait ce qu'on accompagne comme procédure de conservation et de restauration avec nos collègues. Je vous le montre juste parce que si vous en avez à la maison, n'ayez pas peur, c'est très désagréable, mais c'est important. Les collections Roger Viollet sont actuellement conservées sur 5 sites et demi, parce qu'on a un site temporaire. Donc 4 millions de tirages dans les réserves du Marais, 2 millions de tirages environ confiés au concessionnaire commercial qui occupe toujours le 6 rue de Seine, une cellule à Bois d'Arcy, donc au CNC, que vous voyez ici, pour des supports qui attendent d'être traités, une chambre froide dans le 12e arrondissement, et des albums et des dossiers chez un autre stockeur à l'extérieur de Paris. Il est bien évident que nos préceptes maintenant de numérisation peuvent s'axer également uniquement sur la conservation physique des supports, c'est-à-dire quand on va avoir des nitrates en train de tourner de l'œil, on va les photographier, des acétates en train de se réticuler, on va les photographier. Donc, les nitrates, c'est ce qui est orange. Les acétates, c'est ce qui est en haut à gauche. Si à la maison, vous avez des acétates qui se réticulent, ça sent le vinaigre, ça sent la salade que vous avez oubliée depuis la veille, c'est pas grave, ça sent pas bon, ça devient moche, mais vous pouvez continuer de regarder les photographies. Surtout, vous pouvez les numériser.
finalement, les réticulations ne se voient qu'à peine et les photographies sont toujours lisibles, ce qui n'est pas le cas pour les nitrates. Les nitrates, c'est moins rigolo à la maison. Après, s'ils sont dans cet état-là, vous risquez plus grand-chose. Tout le dioxyde d'azote est parti. Et puis, de toute façon, si vous y mettez le feu, ça fume comme un vieux mouchoir. C'est juste que vous avez perdu votre photographie. Mais voilà. Entre les deux, quand ça coule et que ça colle, appelez quelqu'un dont c'est le métier. C'est mieux, sinon ça sent vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Des chambres froides, évidemment, du coup, puisque pour les supports souples, les conditions de conservation ne sont pas du tout les mêmes que pour les supports durs. Pareil, à la maison... D'un côté, ce qui est nitrate et acétate, plutôt 15 degrés, plutôt 35%, vous n'y arriverez jamais, faites au mieux. Par contre, tout ce qui est procédé papier et plaque de verre, ça se conserve comme nous les humains. Donc, ne vous en inquiétez pas trop. Et puis, bah, si un jour vous venez, au-delà des images, il y a les boîtes, il y a les reconditionnements, il y a cette histoire qu'on documente aussi, parce qu'elle est importante, effectivement, en termes de conditionnement. C'est très intéressant parce qu'on est en 2022. Martine et moi, on va fêter nos 25 ans. Je crois que je n'ai jamais passé de temps dans ma vie avec quelqu'un autant qu'avec Martine. Et le fait est que ce qu'il y a 25 ans, on nous demandait de reconditionner, de changer, de modifier, eh ben, ce n'est plus la peine. Ça peut durer. C'est-à-dire que des photographies qui sont dans des boîtes qui n'étaient pas idéales à l'époque, vous imaginez bien que les boîtes, elles ont évaporé leur colle. Le bois, il a évaporé sa sève. Si la photographie va bien, si les photographies Nordheim vont bien 150 ans après leur création dans les conditionnements, il n'y a pas de raison que ça bouge. On a du temps pour traiter correctement chacun des objets dont on a la charge. Après, il faut que ce soit mis à disposition, donc on essaie quand même de se presser, je vous rassure, on ne va pas... Voilà, ça ressemble à ça. Je me suis payé le luxe de vous faire rigoler quand même pour finir, parce qu'au niveau de l'ethnocentrisme, je pense qu'il est vraiment en bandoulière. Donc, nous sommes sur la plage de Nuanua, en Polynésie, en 1965. À gauche, Hélène Roger, photographiée par son époux. Et à droite, Jean Fischer, photographié par son épouse. Et ils ne sont pas fous. Quand ils se marient en 1972, ils appellent la Compagnie Générale Transatlantique de l'époque. Ils se font offrir un tour du monde sur le France, tout frais payé en photographe. Et c'est comme ça qu'ils font leur voyage de noces. Moi, je trouve que c'est quand même vachement fort. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas du tout si je suis dans les temps. J'ai essayé de rattraper votre temps. Oui, c'est bon. Un grand merci pour cette présentation. Vous voyez que Delphine a beaucoup d'humour. Ah bah avec 8 millions de photos, je n'ai pas le choix, sinon... Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors. Pas de questions ? Ils ont la petite tête toute farcie de tout ce que j'ai raconté. Ils ne peuvent plus bouger. Alors, j'ai loupé le tout début, moi. J'ai une... Ah ben bah voilà. Bah oui, mais j'étais partie de chercher un verre d'eau, en plus que tu n'as même pas bu, quand même. Donc, le fond rouge et violet est rattaché à la BHVP. Il y a des collections qui sont conservées aussi à la BHVP. Tu as parlé de l'agence qui est rue de Seine, qui est donc toujours présente. Oui. Les collections rouge et violet sont restées dans les réserves de la rue des Arquebusiers, en fait. On est un petit département externalisé, mais on est trois rues plus loin. Donc, ça va, on est un satellite. On est devenu un satellite, effectivement. Et est-ce qu'il y a des visites organisées du 6 ? Non, mais comme je suis quelqu'un d'un tout petit peu audacieux, je vous ai même mis mon adresse mail à la fin. Donc, ne venez pas tout seul. Ah oui, c'est écrit tout petit, là. Oui, bah quand même. Non, c'est à paris.fr. On n'organise pas vraiment de visites, parce que comme je vous l'ai montré, ce sont des réserves. Donc... on en fait de temps en temps, on envisage d'en faire pour les journées du patrimoine, on en fait pour des petits groupes. Si vous vous organisez en petits groupes et si vous avez envie de venir, on vous reçoit volontiers pour vous montrer des choses. On accueille aussi des chercheurs, bien évidemment, des étudiants, des collègues pour des recherches, pour des expositions. Donc on est une réserve conventionnelle, mais ouverte à la recherche, effectivement. Après, on ne trouve pas les grands-pères de tout le monde, on ne trouve pas les ex-femmes de tout le monde, mais des fois, on est surpris. Il y a même des gens qui se retrouvent petits.
très surpris. On a une dame comme ça qui est passée rue de Seine un jour, qui est rentrée, j'avais mis en vitrine une grande photographie en Inde de toute une famille autour d'un éléphant, et elle me montre l'éléphant en disant « c'est moi ». Et puis après elle me dit « non en fait, mais c'est la petite fille en bas ». Donc vous voyez, c'est assez drôle, on se retrouve à mettre en vitrine des gens qui se retrouvent, mais 50 ans après, c'est même pas, je crois que c'était 80 ans après, c'était adorable. Est-ce que éventuellement tu peux nous montrer le site internet sur lequel Alors, on peut faire la recherche? Alors, le site internet, c'est celui du concessionnaire. On est, nous, en attente que les photographies... Donc, il y a 600 000 photographies Roger Viollet numérisées, déjà. Elles sont en cours de reversement sur le catalogue en ligne des bibliothèques. Par contre, effectivement, comme le dit Dominique, sur le site internet du concessionnaire qui utilise le nom de Roger Viollet par contrat avec la ville, vous trouvez un grand nombre de ces photographies, mais je crois moins de la moitié, c'est 350 000 en ligne quand on a changé. Donc il y en a 600 000 numérisées, 350 000 en ligne à peu près. Voilà, c'est, vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas forcément tout, mais c'est normal aussi. Un diffuseur n'a pas à montrer la totalité des objets numérisés. Donc c'est le catalogue des bibliothèques spécialisées de la ville de Paris, sur lequel vous pouvez trouver aussi des photos. Voilà. C'est privé ? Non, les collections appartiennent à la ville de Paris depuis 1985. Hélène Roger et Jean Fischer ont tout légué. Alors oui, il y a le côté, pardon, je ne vous ai pas fait le côté détective Paris Match un peu glauque à la fin. Ça manque. Effectivement, Jean Fischer a tué son épouse et il s'est suicidé après en prison. Ils avaient 80 et 85 ans. Ne me demandez pas ce qui s'est passé, je n'y étais pas. Je refuse les exégèses. Je ne retrouverai pas. Si la police n'a pas trouvé, on ne va pas trouver aujourd'hui. C'est un drame, on va dire, conventionnel, un fait divers, comme il y en a des tonnes. Par contre, ils avaient pris leur disposition. Il était important pour eux que les collections restent ensemble, restent soudées, aient une cohésion, que cette cohésion perdure. C'est aussi pour ça que je vous parle plan de classement, que je vous parle organisation, parce que finalement, je nous regarde tous autant qu'on est, on a connu les agences de presse des années 70, 80, 90, elles ont toutes disparu, il n'y en a plus une seule. Des organisations d'agences, il n'y a plus presque plus aucun témoin des organisations d'agences. Or, je reste persuadée en historienne de la photographie que je suis, en historienne de l'art pour laquelle j'ai été formée, que l'histoire de l'histoire est quelque chose de déterminant. C'est-à-dire que de savoir qu'une photographie est dispatchée dans X domaines, dans X classements, qu'elle existe en X tirages, ne sera pas anecdotique pour la suite. C'est le seul élément qui nous dira que telle photographie était importante et beaucoup vendue. Le système des agences était un système de production. Ce qu'ont fait Hélène Roger et Jean Fischer de façon très drastique, c'était de précéder le droit d'auteur. Ils prêtaient les tirages de l'agence. Ils ne les vendaient pas, ils les prêtaient. Après, c'était juste une économie de bon père de famille. Les prêter, ça permettait de ne pas faire de retirage. Ça permettait d'acheter moins de papier, d'avoir moins de laborantins, d'acheter moins de trucs et de prendre moins de place. Il n'empêche qu'au final, si ce fonds est composé de 8 millions de photographies, c'est que beaucoup d'entre elles ont fait l'objet de retirages. Et un retirage, un tirage multiple, la photographie, elle est faite pour ça. Un tirage ne ressemblera pas à un autre. Les tirages que nous, on conserve, on sait très bien quand ils ont été créés, pourquoi, par qui ils sont légendés, donc de quand ils datent. Et ça donne l'histoire de la chose. En fait, c'est ce qu'on essaie de transmettre à la suite pour que d'autres que nous puissent identifier ça et en faire un profit sur l'histoire de la photographie. C'est vrai que ce côté collection publique, c'est quelque chose... C'est pour ça qu'on attend aussi le reversement sur les catalogues en ligne des bibliothèques qui ouvrirait au public ces 600 000 numérisations. Parce que la pléthore est quelque chose d'important en agence. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une bonne idée de numériser énormément comme on a pu le faire. Toujours est-il que ça a pris la suite des laboratoires et que ça a été un mode de diffusion et que même cette période de 10-20 ans de surnumérisation sur lesquelles on s'interroge maintenant du point de vue de l'écologie et du stockage, ça a fait partie de ce moment où nous, avec Martine, on est rentrés dans l'agence en 97. Moi, on m'a attachée pratiquement au pied de mon bureau. Il fallait que j'édite la totalité des collections pour que tout soit numérisé et rentable en 3 ans. En réalité, les collections Roger Viollet, pour vous donner une idée, c'est moins de 50 000 photographies utilisées. Vous vous rendez compte?
il y en a 8 millions de conservés, l'agence fonctionnait sur environ 50 000. Ça veut dire que la locomotive, c'est 50 000 pièces. Le train, c'est 8 millions. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'être légués à la ville de Paris. Que dans d'autres dispositions, justement, comme vous le disiez, madame, si les fonds étaient restés complètement privés, il va sans dire que les choses auraient été complètement démantelées et qu'on aurait aussi perdu cette cohésion et cette histoire d'une agence. Oui, oui, c'est une vraie chance. Mais une chance qu'ils ont vraiment travaillé, hein. Ils se sont évertués dès les années 70 à trouver un port d'attache. Le port d'attache a été envisagé à l'État, à la bibliothèque Mazarine. Au Petit Palais, c'était juste un lieu de stockage. Ensuite, il a été envisagé ce qui était patrimoine photo. Il y a eu plein d'hypothèses. Nous-mêmes, avant d'être rattachés à la BHVP, il y a eu des hypothèses parce qu'il fallait trouver. Ce n'était pas évident. Est-ce qu'on allait rentrer dans un musée? Est-ce que c'était judicieux? Ce n'était pas le cas. Est-ce qu'on allait venir aux archives? Nous eussions pu venir aux archives, mais on est trop dodus. voilà, enfin, toutes les hypothèses sont possibles. Vous savez qu'après, en France, le statut des biens est différent selon qu'on aille en archives, en bibliothèque ou en musée. Voilà, on est maintenant tenant d'une bibliothèque. Moi, je trouve ça plutôt très chouette. On est les voisins du Fonds François. La bibliothèque historique de la ville de Paris est aussi l'instance qui, la première, a fait des commandes publiques à des photographes pour couvrir la ville de Paris, en l'occurrence à Jay et Marville. Donc moi, je trouve ça plutôt chic, j'avoue. Voilà. Oui, je me posais la question de savoir, enfin, vous avez en partie répondu, est-ce que vous arrivez à identifier, c'est-à-dire savoir qui est le sujet, éventuellement qui est le photographe, de l'ensemble des 8 millions de photos? Presque. Parce que, faut être franche, on n'est pas non plus des déesses merveilleuses, on a eu des prédécesseurs merveilleux. Des prédécesseurs merveilleux qui étaient extrêmement cultivés, curieux. Des photographes aussi et des gens qui, quand vous commencez à travailler dans les années 50, eh bien vous connaissez les 20 dernières années de l'iconographie. Vous pouvez documenter si le photographe l'a mal fait. Ceux des années 70 ont transmis, ceux des années 80 ont transmis. Et nous, avec Martine, quand on a commencé en 97, on a passé un peu moins de 10 ans avec nos collègues qui avaient commencé au début des années 60. Donc on a appris effectivement et les visages et les genres, etc. Du point de vue de la documentation des photographies, c'était plutôt très bien fait, vraiment. Encore une fois, gardez en tête que ce fonds devait être exploité. Une photographie non légendée, vous pouvez la tuer. Sauf si elle est merveilleuse, sauf si elle est très jolie, sauf si, voilà, si vous vous en fichez. Ce qu'on appelle maintenant les fonds d'anonymes, c'est passionnant. Mais du point de vue, là encore, d'un commerce, c'est pour gagner. À part si l'anonyme est ravissant et tout nu, là, ça peut marcher. Ça marche même plutôt bien. Mais pour le reste, non, évidemment. C'est un chien, un chat, on s'en fiche. Mais on est là sur une agence qui travaille avec des événements historiques, avec des portraits. Donc oui, c'est plutôt bien documenté. Pour les photographes, bah, ça a été notre boulot. C'est mon boulot. Je passe mon temps à farcir la tête de mon équipe et de mes stagiaires et des gens qu'on forme sur qui est tel photographe, comment on reconnaît, quelle est l'écriture, quelle est la typologie, quel format, quel support, pour que ça passe à la suite. Voilà. Parce que non, effectivement, là, vous avez complètement raison, c'est la partie très longue du travail qui nous reste à faire. C'est que pour nous, ce qui est évident, bah, le sera pas forcément pour les générations suivantes. Donc il faut qu'on arrive à faire passer des informations qui, rassemblées, permettent aux générations suivantes de continuer nos travaux d'inventaire et nos travaux d'identification. Mais il y a des fonds pour lesquels c'était excessivement difficile. Surtout quand les photographes se mélangent et qu'ils se copient, ça c'est l'enfer. La collection porte le nom de Roger Violet. Roger, c'est le nom d'Hélène, mais Violet, d'où vient le nom? De Jeanne, sa maman. Roger, c'est le nom, le patronyme d'Henri, son papa. Et Violet, c'est le patronyme de naissance de sa maman, Jeanne. Et Henri trouvait que Roger, c'était moche, c'était commun, que Roger Violet, c'était vachement plus chic. Merci. Et c'était le nom, effectivement, de la firme aussi. Henri Roger, à un moment, signait Henri Roger Violet. Donc, il avait pris... Mais c'est un nom d'usage. C'est une marque. Maintenant, c'est une marque en plus. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu une marque et que ça appartient à la ville de Paris comme une marque.
la ville de Paris met cette marque Roger Viollet à disposition du concessionnaire commercial pour la diffusion des photographies. Alors ça crée un peu la confusion, on est d'accord. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Je pense que ça aurait fait plaisir en plus à Hélène Roger et à Jean Fischer que leur marque perdure. Voilà. Et le nom a été repris par la ville comme les fonds. Est-ce que ça continue est-ce que vous continuez à avoir des acquisitions ? Des acquisitions, voilà. Alors, je ne peux pas regarder Martine parce que si je lui dis oui, je pense que je prends un truc sur la tête. là, vous me faites courir des risques un petit peu quand même. Alors, on y pense. Je vais être franche avec vous. On y pense. Non pas en termes d'ajout de fonds, ce qui n'aurait pas de sens. On ne va pas ajouter un fonds d'un photographe qui n'a pas été Roger Viollet à des collections qui ont été léguées en 85. Ce serait absurde. Par contre, soyons francs. Notre ancien directeur, Henri Bureau, a acquis des fonds sans demander son avis à personne jusqu'en 2003. Donc, ils font partie des collections Roger Viollet. Non, ce qu'on aimerait ajouter aux collections, c'est éventuellement des archives des photographes, parce qu'on a très peu d'archives autour de nos photographes. Le principe de l'agence, c'était le photographique, c'était pas le documentaire. Et puis, je vais pas vous mentir, de temps en temps, il y a des tirages de chacun de nos photographes ou des ensembles qui passent, on en crève d'envie. Oui, on crève d'envie d'ajouter, je ne sais plus, il y a 2-3 ans, il y a des cuivres pour des Hélios de leur Albin Guillot qui sont passés en vente. C'était à tomber par terre. Et le fait que ça parte dans des collections privées, je conçois, j'ai eu l'argent en bon collectionneur privé, j'aurais acheté le lot. On a envie d'ajouter ces choses parce que les photographes, quand ils travaillent, c'est pour publier. Et on aimerait de temps en temps avoir beaucoup plus de ces publications, de ces productions, ou simplement des tirages qui manquent, ou des photographies qui sont allées ailleurs, parce que la photographie, elle n'est pas statique. C'est pas parce qu'on rachète le fonds Branger qu'on a tout Branger. Le fonds Branger, il est parti dans les collections Roger Viollet, parti au musée de l'Armée. Boyer, il y en a un petit peu partout. Arlingue, il y en a à Carnavalet, il y en a chez vous, il y en a absolument partout. Albin Guillot, il y en a dans toutes les collections publiques. L'essentiel du fonds est chez nous. Nordine, il y en a aussi dans énormément de collections. Nous, on a effectivement tous les phototypes transparents, toutes les matrices. Mais par exemple, les catalogues de ces photographes, les correspondances de ces photographes. Et puis, il y a aussi une chose. Martine m'a récupérée parfois très, très, très en colère. Nos prédécesseurs, quand ils avaient envie de place, ce qu'ils balançaient, c'est ce qu'on appelle les justificatifs de parution. Donc, d'où ce qu'on aurait voulu typiquement garder, c'est la comptabilité, les factures, les correspondances et ce qu'on appelle dans le métier, dans le jargon, les justifs. Parce que c'est les justifs aussi qui vous font l'histoire de l'exploitation d'un fonds. Et les justifs, dans notre maison, parce que nos merveilleux prédécesseurs étaient quand même... Alors, je pense que nous, déjà, on est maniaques, mais franchement, on part quand même de loin. Tous les justifs étaient conservés avec les marque-pages et l'encoche de la photographie publiée. C'était un boulevard. Et on a réussi à en sauver un peu, trop peu. Mais maintenant, trouver des justifs, il faudrait refaire la pige. Et de toute façon, ça ne serait pas la pige du temps. On ne saurait pas comment ça a été pigé, comment auraient réagi nos prédécesseurs. Donc oui, ça, des fois, oui. Oui, oui, on a envie de ce qui entoure la photographie, beaucoup plus que des objets photographiques. Ce qui suppose d'autres inventaires, d'autres numérisations, d'autres dépouillements et des comparaisons. Voilà. Parce qu'évidemment, un tirage sera inventorié comme un objet, son négatif comme un autre objet, son justificatif comme un troisième objet. Ça commence à faire beaucoup. Mais j'ai oublié de vous dire, on est trois. Pardon, j'aurais dû commencer par là. D'où le fait que potentiellement, ma collègue me jette quelque chose à la tête si je rajoute au pot. Mais oui, c'est vrai qu'on vient nous proposer des choses. De temps en temps, on aimerait dire oui. Et après, on garde aussi ce cap du leg. Le leg, il a un cadre, il a un espace. Et il faut que le dépassement du cadre se justifie. Alors, c'est peut-être pas le sujet de ce soir, mais je repense à l'exposition avec, des photos de Viviane Maillère, mm-hmm. Donc qui, ce fond là, qui vient d'être
découvert, il n'y a pas d'agence, il n'y a rien. Comment est-ce que cette collection va pouvoir rentrer, par exemple, dans des archives ? Mais c'est bon, la collection Wiedemeyer, elle est en main. Elle a un galeriste, elle a une fondation qui est en train de se créer. En fait, le fonds entier, vous savez, elle l'avait laissé dans la famille des derniers enfants qu'elle a gardés. Elle était nounou, Wiedemeyer, et en fait, à un moment, elle est devenue complètement zinzin. Elle habitait dans un espace tout petit dans lequel elle entassait tout, et puis elle avait laissé la totalité de sa production photographique dans un conteneur, me semble-t-il, qui appartenait à la famille des derniers enfants qu'elle avait gardés. Et c'est à l'ouverture de ce conteneur que tout le monde a découvert ce qu'il y avait dedans, et ça a été racheté par un galeriste. Alors après, vous avez effectivement l'avenir des fonds. Alors il y a des gens qui trouvent ça complètement scandaleux. Moi, j'avoue que l'aventure Wiedemeyer m'amuse, m'intéresse aussi du point de vue de l'histoire de la photographie. Je pense que c'est une bonne comparaison. Je me disais, là, je suis en train de lire une vieille biographie d'Hélène Lazareff. Je trouve ça assez rigolo, ces toutes petites dames qui font des tas de choses et qui passent à la postérité assez tardivement, 40, 50 ans, 60 ans après leur disparition. Ça sera le cas, c'est le cas pour Hélène Roger. Hélène Lazareff, elle laisse évidemment un nom lié à celui de son époux et au celui du magazine Elle. Mais n'empêche que l'histoire est à redécouvrir. Et je trouve très intéressant que le fonds Wiedemeyer ait été un fonds lui aussi clos, de par ce qu'était la dame. Mais vous vous rendez compte que vous ouvrez un conteneur et vous avez encore le chapeau et les robes de la dame. Et vous avez quand même le musée du Luxembourg, qui, quand il fait l'exposition Wiedemeyer, peut exposer son appareil photo et son chapeau. Je trouve que ça dit tout aussi de notre rapport à la photographie, du rapport au temps, du plaisir de la redécouverte. Moi, je ne vous cache pas que le métier qu'on fait, toutes les trois, on s'amuse. On inventorie les photos de salon, donc on a un peu marre des filles à poil. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais n'empêche que c'est intéressant. Revenir sur les photographies du garde-meuble, ce sont des partenariats avec les musées, avec les services de l'inventaire. Redécouvrir un auteur complètement, comme on a pu le faire au fin des années 90 avec Gaston Paris, c'était plutôt rigolo. Faire valoir Laure Albin-Guillot comme une artiste et la remettre sur le tapis la totalité de ce qu'elle a produit, de ce qu'elle a été, autrement que comme cette figure tutélaire vaguement fade. Il y a des tas d'auteurs. Et c'est là où je rejoins la dame. C'est vrai qu'il y a de temps en temps des fonds de photographes qu'on voit passer et on se dit « toi, tu serais bien chez nous, quand même. On a un petit sujet là qui manque. Là, ça, on serait dans 80, 82, voire 97. On ferait « oups là, on va prendre. » Oui, on a... Et la photographie amateur. Alors, Wiedemeyer, j'ai envie de vous dire que le vrai challenge aujourd'hui, c'est d'identifier les contenus. Ils ont un travail de dingue parce qu'elle faisait ses photos. Elle ne tirait pas ses photographies, sauf exception. Elle ne faisait pas de plonge contact et elle ne mettait pas de légende. Ils exploitent peu à peu ce qu'ils peuvent. Mais oui, c'est très chouette. Prompt. Bon, merci beaucoup, Delphine Desvaux, pour cette passionnante conférence.